l'ai né un peu comme ça. Ah bon? Ah ouais, mais je te dis sur internet. Bien sûr que oui. Vous vous moquez de moi, j'en ai marre. Je me dis ça. Moi, je suis très fier et très heureux d'enfin voir ces deux héros anglais sur un territoire français. C'est aussi un peu une reconnaissance de cette ville BD à une série mythique de la bande dessinée belge. Moi, le souvenir que j'ai de notre première rencontre, c'était Angoulême, c'est ça? C'était un matin à Angoulême. On se disait que si on écrivait bien, on le vendrait peut-être. On n'était pas à vendre notre temps, on n'était pas à vendre notre énergie. Il y avait une fringale. C'était probablement le carburant de notre association. Il y en a, ils rêvent de rencontrer Federer. Moi, c'était Bill et enfin, je le vois, Bill. Bill. Sans dire qu'il y a un autre public qui n'est pas mon public habituel, en fait, le public de la bande dessinée. Oui, j'ai fait allemand deuxième langue au collège. Ça sert pour les dédicaces parce que Luc et Luc est énormément lu en Allemagne. On a fait une petite tournée au moment de la sortie de notre Cowboy à Paris. Et à Berlin, dans le monde germanique en général, à Vienne, il y avait un monde fou et les gens connaissaient ça sur le bout des doigts. Vraiment, j'adore cette ambiance. Je pense que c'est unique au monde. C'est des gens, généralement, qui me retrouvent tous les ans. Et ils sont contents de me voir. C'est comme un peu retrouver la famille et tout. Et puis, ils me disent toujours, ah, surtout continuez, tout ça, vous nous faites du bien. Donc, je fais du bien aux gens, donc c'est agréable.